son activité favorite, mettre en pièces sa maison tout entière. Ça suffit. Vas-y, téléphone, non. Le téléphone. Rends-moi le téléphone. Non, non, tu l'auras pas. Oh, la vie de ma mère. Maman, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Je te jure que je vais mettre un truc dans le verre et là, je te jure que je vais le faire. J'éclate ta télé. J'éclate ta télé. Fais ton lit. Maintenant. Non. Moi, je t'ai dit Moi, je t'ai dit non. Tu te dépêches. Dépêche-toi de faire ton lit. Tu fais Toutes ton lit. Toutes les figurines vont se péter, je te dis. Elles vont se péter. Bah, dégage. Tu fais ton lit. Dégage. Qu'est-ce que j'ai pété? 4 fois l'imprimante. Ça. Ça. Enfin, les meubles. Ça suffit! Pas de téléphone. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, sinon je vais tomber à jour. Non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Non, je te dis que... Dans ces moments-là, la cruauté de Jonathan est sans limite. Lucia a toutes les caractéristiques d'une vulgaire adolescente capricieuse. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce physique enfantin se cache une délinquante chevronnée. Des conneries. Des conneries. Qui t'ont emmené où? Prison. En prison. Sans permis. Je roulais sans permis avec ma cousine. Et il y avait un gendarme en plein milieu de la route. J'ai failli le percuter. Du coup, ils m'ont incarcéré parce que ce que j'avais fait, j'aurais pu le tuer en fait sur la route. Plusieurs fois incarcéré pour de très graves délits. Arnaque, vol, violence, conduite sans permis. La jeune fille arbore un casier judiciaire impressionnant. Elle est pas venue te voir? Non, mais elle a été voir mon frère. Elle a été voir ton frère? Ouais. Parce que ton frère, il a été incarcéré aussi. Pareil. Mais pourquoi elle va voir ton frère et pas toi? Elle dit que c'était une punition. Mal, ok. Qui vivrait bien la prison, je me demande? Personne. Attention, accrochez-vous. Cette jeune femme, incapable de s'assumer, au comportement totalement immature, est mère de 2 enfants. Donovan, 6 ans, et Nolan, 8 ans. De rentrer dans la porte de la prison, je m'effondrais. Quand je sortais, c'était exactement pareil. Alors c'est pour ça que je suis pas pu aller voir. Ces deux petits garçons vivent chez leur père dont elle est séparée depuis qu'elle enchaîne des allers-retours en prison. Malheureusement, cette jeune et improbable mère de famille se comporte très mal avec Pascal, sa propre maman. Si on cumule toutes tes peines, il y a 3 ans mmh. 3 ans de tôle, mmh. 3 ans de prison. C'est pas mal, hein? 3 ans de ta vie gâchée. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries, toi? Comment ça? Dis-moi ce que tu parles pas de mon père. Dégage-toi. Dégage! Tu me pousses je pas! Suis ta gueule! Rentre maintenant, t'as compris? Vas-y, frère! Ferme ta bouche! Arrête! Quentin! Ça suffit! Dégage! Tu rentres pas! Dégage! Casse-toi! Dégage! Je vais t'abattre! Une fois. T'en penses quoi de tes frères? Ta mère trouve mon téléphone, sale frite! Vas-y, bouge! Bouge. Casse-toi, je te dis! Tu touches pas mon portable! Tu touches pas mon portable! Donne, je m'en fous, il va s'éclater, donc donne. Bonsoir, tout de suite, monsieur Chant! Vas-y, tu me fais mal! Vas-y, bouge! C'est pas ça, mon gars? Guerre. Dégage. Donne le portable. Non. Bouge. Allez, hop, tu dégages. Casse-toi, là, c'est qui se me touche là. Toi, toi, tu vis là-dedans, dans cette merde. Quand y aller, j'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie, en fait. Ça, c'est, je vois, il y a du moisi là-dessus. Là. Toi, tu dors à côté. Donc, dans quel état, toi, après, tu es physiquement? Mais là, ça. Excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Bah, si, ça pue la merde. Je suis désolé, mais... C'est une déchetterie, voilà. C'est une poubelle. Ils appellent les nettoyeurs. Au travail, c'est parti, venez. C'est là-bas, au fond, à gauche. Allez, au boulot, c'est parti. Ils y sont arrivés, déjà, ils avaient tenue blanche pour éviter de salir, des gants et un masque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh !» J'ai vraiment déconné, là, sur la chambre.
Équipés de leur combinaison antimicrobes, nos trois experts de l'hygiène s'attellent à la tâche, et elle est rude. Ils ont tout pris, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont tout pris, ils ont tout balancé, ils ont tout... Ils vont tout nettoyer. Tout. Tout ce qu'il y a là-bas, nettoyage total. On va désinfecter ta chambre. Dans des sacs de poubelles, ils ont pris mon lit, ils l'ont retourné, ils ont vidé ma chambre. Une fois le nettoyage de la chambre terminé... Je crois que moi je vais t'appeler handicapé aussi. Enlève-toi de là, arrête de le frapper. Dans la portable. Et dégage. Est-ce que je te frappe, dégage. Dégage. Dégage que je vais te frapper, dégage. Dégage. Regarde. Oh. Alors, arrête, t'as beaucoup de gens. Oh putain, mais arrête! Mais hé, sérieux là, tu commences vraiment à me péter les coups? Laisse-moi tranquille le regarder! Quelle offense! Ça suffit! Faut mettre du sel, mais faut mettre du sel, moi j'aime bien le sel! Mais du sel! Mais ta mère, dégage ce qui t'arrive là! Mais casse, c'est moi! Mais alors ferme ta gueule, toi aussi laisse-moi passer que ça t'arrive à me bloquer là! T'as pas prendre des mamans! Je dégage ta mère, ta mère! Ta mère! Hé! T'as quoi? Ça suffit! Bah là tu veux quoi? Pourquoi tu veux quoi? Je ta mère, là tu veux quoi? Une viole. Mais Laurine, qui de surcroît déteste se montrer sans être impeccablement maquillée, va une fois encore sortir de ses gonds. La garce, arrête. Sors. Non. Sors. Vas-y, laisse la feuille. Vas-y, bah c'est quoi, tu vas me le refaire. Non, je la refais là. Dégage. Je le kiffe aussi maintenant. Non. T'arrêtes de me péter les à toi. Dégage. Fais-moi cette chance. Dégage. Dépêche-toi. Dégage. T'as pas de besoin de me coiffer. Dégage. Fais-moi cette chance. On va jouer, fils, mon pote. Ah, maintenant, va chercher maintenant le coffre. Non. Arrêtez. Stop. Arrêtez. Stop. Arrêtez. Rien à toucher, là. Poubelle. T'es chez moi, d'accord. Non, arrête, tu sais très bien. Moi, tu sais très bien que tu vas être dans le mal. Ah oui. Et ça fait rire. Rigole. Non. Vas-y. Non. Toi, tu veux que je te cire. Ouvrez. Eh ben t'as qu'à arrêter, p***. Eh ben alors, casse-toi. Vas-y, casse-toi. Et casse-toi. Casse-toi. Tu me laisses pas la main. Tu vas faire quoi? Tu vas te faire le topo des trous, hein? Celui-là, c'est moi parce que tu m'avais cassé les couilles pour ton travail. Ça, c'est un jour où tu m'as vraiment cassé les couilles dans la maison. D'accord? Continue. Tu respectes mieux ta copine que ta mère. Je suis perdu avec mon devant. Je suis perdu avec un truc de vous là. Quelle offense. Ah bah voilà. Encore une fois. Aille-toi. Ouvre. Ça, j'ai balancé une chaise parce que tu me cassais les couilles. Passe. Dis-moi ce que tu vas te planter. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Casse-toi, t'as pas parlé comme ça. T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Je te... Rends-le-moi! Je te rendrai ton téléphone quand tu m'auras parlé. Rends-le-moi! Et bah pas... Dégage! Jordan, face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. Bouge, tu vas faire quoi? Tranquille. Lâche-moi. T'es pas là-bas? Non, mais où ça? Ah! J'ai du boulot! Une règle. Arrête! Mais t'es malade! Assieds-toi, allez! Allez, assis! Va là-bas! Bouge! Balade-toi, bouge avec ta gueule! Oh merde! Vas-y, tu t'es pris pour. Tu t'es pris pour. Bah alors, laisse-moi aller!
Je te le donnerai pas. Et bah tu vas te profond. Voilà, je vais toucher ton doigt. Ah ouais, j'en ai rien à péter. Tu ça touches pas. Ça s'appelle de la provocation. Après, tu casses les choses. Moi, je fais comme toi. J'ai décidé d'arrêter la musique. Ne casse tu pas le bras. Là. Continue. Tu respectes mieux ta copine que ta mère. On arrête. Ça va être du temps. Tu me perds avec mon devant. Ah, tu me perds avec la côte de vous là. Je te respecte. Tu me respectes. Tu me respectes moi. Respecte-moi! Tu dois me respecter! Tu dégages? Non! Tu ranges ta chambre! Tu dégages! 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 Aille-toi! Ouvre là! Ah bah voilà! Encore une fois! Rien de dire! Tu bouges un peu, toi! Lâche-moi, fils de... Lâche-moi, tu te réveilles. Émergé par la colère, Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer, toi. Alors, qu'est-ce que je te fais, moi? Je te fais du mal, moi? Mais je t'écoute pas du tout. Écoutez, maintenant tu vas écouter. Voilà ça que je veux.